Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Resident Evil 2 le remake épisode 11 et on se retrouve tout de suite dans... Qu'est-ce que je fous là-dedans? La manette. Dans la tour de l'horloge avec le grand rouage qu'on va remettre tout de suite là. Et je suis presque sûr que c'est pas censé faire ça. Ah, je peux le reprendre. D'accord. Wow. Ah, vous croyez qu'on va devoir caser notre grand ami là-dedans? Ouais, ça rentre parfaitement avec le modèle, mais bon. Anyway. Bon, il n'empêche que ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. On y voit que dalle. Oh putain, ok, d'accord. Non, non. Alors, ok, je viens de comprendre à quoi sert cet endroit. C'est qu'en fait, là, notre ami, le gros, il va nous foutre la paix. Mais par contre, il va arriver par là-bas en désinguant tout. Parce qu'on l'entend très, 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 très près depuis tout à l'heure. Et je sens que je vais assez mal le vivre. Comment je vais faire tomber tout ça, moi? Oula. Ah oui, mais c'est l'endroit où on était tout à l'heure. Un petit rouage. D'accord, donc le mec a vraiment foutu la merde. Ok, bon, alors descendons. Je peux pas le choper. Je vais quand même garder mon magnum à la main au cas où. Histoire de lui en mettre une belle lampe entre les deux yeux dès qu'il va se pointer. Ok. Elle a un peu possédé du cul. Oh putain. J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. Non mais tu vas risquer d'écrire un rapport sur ta mort, je pense, mon cher Léon. Obtenir la carte du parkinge. Ok. Alors, oui. Oui, tu veux que je retourne là-bas. Oui, tu veux que je retourne là-bas. Je sais pourquoi tu veux que je retourne là-bas. Pour mourir, tu veux que je retourne là-bas, fils de pute. La vraie question, c'est par où je vais maintenant, en vrai. Je sais plus où c'est, moi. Je sais plus du tout où c'est. C'est là, je crois, non? Ah, c'est complètement là. Ok, donc il faut que je sorte. Donc il faut que je prenne l'escalier de secours, je pense. Ouais, l'idéal serait de prendre l'escalier de secours. Donc il serait là. Moi je suis encore un étage au-dessus. Ça, à mon avis, il est verrouillé de mon côté aussi. Hein. J'aurais dû aller voir, j'étais trop con. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Ah mais en fait il est à l'étage du dessous depuis tout à l'heure. D'accord, donc il me faisait peur pour rien en fait.
Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, là, on arrive à la stage de stockage. On se tape une belle ligne droite. Ok. Et là, attends. Si on prend cet escalier-là, on se retrouve là. Ok, on va prendre cet escalier. Ah, il est possible que je claque une balle de magnum sur autre chose que que l'intéressé. Donc, ça c'est très très possible. Hop là, ok, tout droit, à gauche, et on continuera tout droit. J'avoue que je suis pas la personne la plus sereine sur Terre actuellement. Ok, direction les chiottes. Attends, mais y'a pas du tout l'accès. Non, y'a ça du gardien. Putain, pourquoi je vais dans les chiottes? Gauche, on va passer par la salle de pause quand même avant. Ah! Oh! On va quand même barricader pour éviter qu'il y en a d'autres qui reviennent. Et on va aller. Bah, c'est toujours le même, je crois. Pouh, bon, là on est en safe zone. 17ème sauvegarde, épisode 11. On va voir un petit peu notre stock. Ouais. Je vais embarquer une autre plante verte sur moi. Ah, tout à l'heure on avait trop de plantes rouges, maintenant on a trop de plantes vertes. Bon, bah on descend. Hein. Alors putain, je sais plus. Oh, mais il va falloir repasser par tous les chiens. Oh, fait chier. Oh, j'ai pas envie. Ah, j'ai pas envie. Donc là, on va sortir par la porte. Ça va être à droite, tout droit. On traverse le parking d'une traite. Oh putain, j'ai combien de balles de pistolet? 2, bah évidemment. Et les balles de magnum, j'ai pas envie de les gâcher. Bah écoutez, on va rush les chiens. C'est celui que je veux de 6. Hop là, la colonne! Ok, tout droit. Putain. C'est plus que le magnum là. Écoutez-moi l'appel avec les barres. Tu veux pas courir un peu plus vite? Genre faire semblant d'être concerné, Léon? Ok. Ok, je doute que les clébards puissent passer. Ok, les clébards sont en train d'essayer de passer. Ada, j'aurais aimé que tu restes dans le coin. Quoi? Ah, je crois que tu l'avais ouverte la putain de cellule, j'ai eu peur. Alors, viens voir. Ok. Non. Il fallait que j'ouvre la putain de boîte. Ils ont poussé le réalisme au maximum, quoi. Composant électrique, mais oui, mais non. Non, ta gueule. Examine, ouvre la putain de boîte. Allez, la boîte. Parfait. Maintenant, composant électrique, utilisé. Hop là. Hop là, c'est bon, Tetris. Faites tourner, quoi. Ah, mais c'est vraiment ça? Attends, what the fuck? Attends, il faut que j'amène, les deux courants électriques là-bas, d'accord. Ok. Bon, on va en avoir pour 10 plombes. Alors, ouais, alors. Déjà, celui-là, c'est obligé qu'il soit comme ça. Celui-là, c'est obligé qu'il soit comme ça. Celui-là, il va servir à mes... que dalle. Ça, bah... ça, ouais, ça, c'est bon. Lui, bah, la seule config possible, c'est comme ça.
Donc celui-là, c'est-à-dire que la seule config, c'est celui-là, c'est possible. Ah, ça veut dire que les deux sont là. Oh putain. Oh yes, c'est bon. Sauf que toutes les autres sont ouvertes, n'est-ce pas? Ça peut pas être aussi simple que ça. Le commissariat est infesté de monstres, même si ici je peux entendre leurs gémissements. Mais ce n'est pas les zombies que j'ai le plus peur. Nom de code tyran, l'arme biologique ultime. Développée dans le plus grand secret par ces enfoirés, rien que de penser que ces créatures peuvent se balader dans les parages. Ah, tyran, ça va être Monsieur Chapeau, d'accord. Des chances qu'il ait ordonné de tuer les témoins. Ah 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 ah. Parfait ça. Oh, ça c'est bien ça par contre. Bon, allez, vas-y, donne-moi la clé. Secret. D'ailleurs, c'était la voix de Ada qu'on a entendue. Virus G, d'accord. Carte du parking, super. S'échapper du parking. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est la merde. Ça craint. Super. Oh putain de merde! Bon bah, allez. Attends, y a que par où que je peux mettre. Ok, j'en ai tué une. Ah mais casse-toi, dégage. Ah mais putain, j'aurais dû te tuer dès le début, toi. C'est pas vrai. C'était dans l'autre sens. Oh, tu m'as loupé, fils de pute. C'est la panique. Dis-moi que les chiens sont plus là. Oh oh. Non mais je suis pas un témoin, je suis gentil. Oh ouais, ouais vas-y, rentre-lui dedans. Merci, vraiment. Épouse-moi, maintenant, tout de suite. Ada. Ça commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. Ouais, parce que là, c'est il... une blague. Non, mais j'ai plus de balles. Rien ne meurt ici, tu comprends? J'imagine que tu as la carte. Oui. Ouais. Et oui, j'ai la carte. Ah, excuse-moi, je m'étouffe. J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fichons le camp d'ici. Ça marche. Avec plaisir. J'irais bien me taper une petite sauvegarde avant. Si tu me permets. J'irais bien me taper une petite sauvegarde parce que là, là c'est pas que j'en ai chié ma race, mais j'en ai chié ma race. Fais voir les inventaires, etc. Qu'est-ce que j'ai là? De la merde, de la merde, de la merde et de la merde. Comme c'est cocasse.
Ah, par contre, du coup, la clé de cœur. Bah, je sais pas du tout où elle est. J'espère que c'est fini et qu'on va quitter cette map, parce que c'est vrai que au bout de 10 épisodes, toujours être dans la même map, c'est un petit peu chiant, on va pas se le cacher. Si on ouvrait la grille. Et ben j'arrive, 5 secondes. Calmez ma grande. Pluie incessante. Oh. Cette bagnole est vachement grande ou c'est moi? Oh putain, l'extérieur. Tu voulais? Malheureusement non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Ça, c'est intéressant, ça, là-bas. Et toi? Tu essaies de sauver le monde? J'ai promis au lieutenant Brana de ramener de l'aide. Bonne chance pour en trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Des travaux pour le métro? Ouais, ça a l'air. Attends, mais what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Ah bah de toute façon, même si on devait pas y passer, j'y serais passé. Hein. Bon, visiblement, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Quelle pagaille. Bah en même temps, tu croyais pas que ça allait, sincèrement, que ça allait être en jeu. Canon long. Oh. Ah mais il prend deux places maintenant, putain. Ah mais il était vendu avec les balles. Ça m'arrange. Oh la grenade. Ah des balles de pistolet, ça fait plaisir. 5, ouais ça fait. Ouais. Ça fait plaisir. Mais c'est un peu triste. Tu sais que tu peux passer derrière. Bouge pas. Je vais pas vous faire de mal. J'ai dit, bouge pas. Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Oh, une petite fille. Bonjour. Oh, un zombie. Ma fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non! Arrêtez! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer? C'est de ma fille qu'il s'agit. Ouais, sauf qu'elle va nous bouffer. Elle a peut-être les anticorps. Ada. Laisse-les tranquilles. Emma? Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Papa? Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord? Elle a l'air d'avoir d'un côté qui est transformé, c'est trop bizarre. Ces saloperies dehors. Regardez. Ah, ta main elle est complètement cramée. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Mais regarde pas Ada, c'est toi le flic, connard. C'était notre petit ange. Maman fait dodo, ma puce. D'accord? Et je vais bientôt être au lit aussi. D'accord? Ok, donc la mère est morte Emma. Et Par contre, si elle a survécu aussi longtemps à une morsure, c'est peut-être qu'elle a les anticorps pour le virus G. Du coup, ça a l'air d'être le virus G de ce que je. De ce qu'il répète depuis tout à l'heure. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Ah, adieu du coup, hein. Si tu veux que je fasse. Écoute,
Me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi, lui ? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Attends, donc le coup de fil a battu la fille. Aider des gens. Bah oui, il a dit je vais coucher. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Pas sûr qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup ? C'est bien beau tout ça, mais on n'avance pas. Ouais, aucun moyen de savoir. Là, ouais, du coup, je suis passé là, j'ai fini d'inspecter l'armurerie. Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, vas-y. Tu connais Umbrella, n'est-ce pas ? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les erreurs que j'ai vues. Il y avait beaucoup d'ailleurs. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On va vraiment descendre là-dedans, putain, mais non. Il est pire idée. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle là qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Ah, je connais Sherry Birkin de Resident Evil 6. Ça va être leur fille. Ah mais attends, le machin G, il balançait chérie. Oh putain. Là il fallait maintenir le joystick avant. Vous sentez bien les... Si ce que tu as dit est vrai. L'introduction des QTO. Le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Putain. Merci. Bah t'es flic. Ah mais elle est... Ouais. Sortir le pépon parce que là... On va sortir le fusil à godasse parce que tel qu'on est... Comme j'ai dit, hein, c'est le meilleur moyen de réagir le plus rapidement possible. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique des affaires. Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Super. C'est bien de savoir, c'est bien de le savoir. C'est toujours derrière, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? Oula, ok, on avance, t'inquiète. Déstress Babette, déstress. Waouh ! C'est un tremblement de terre ? Non. J'aimerais tellement que ce soit ça. Oh, le visuel est très très beau comme ça là. C'est quoi ça ? Fais attention. Ah ! On ne sait pas à quoi on a affaire. Oh merde ! Un crocodile zombie géant. Super ! Y'a rien qui va dans cette phrase. Eh bah, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein ? Sur ce cliffhanger magnifique. Sur cette espèce de crocodile de mort, là. Et bah voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et... À la prochaine dans un prochain épisode. Ciao ciao.